Hein? Ouais, je suis connecté. Bien, bonjour à tous. Tac. Ça marche pas, ce que ce moment. Salut à tout le monde, ça marche, c'est bon? Alors j'ai pas de musique par contre. Salut Séverine, salut Thierry. Ouais, je me suis mis à l'abri pour le stretching. Tac. Comme ça vous aurez pas de vent pour la séance. Alors, ça marche pas ça. Bien, salut Adeline, Delphine, Estelle. J'attends que tout le monde se connecte. Tac. Salut Jessica. Tac. Bien. Est-ce que tout le monde me voit bien? Je recule un poil. Oh, j'ai peut-être baissé le volume encore. Tac. Bien. Alors, on va se retrouver aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Bonjour Gwen. Pour une séance de stretching. Salut, on fera un premier cours en direct pour moi, Chloé. Donc, cool. Donc là, ça va être une séance un petit peu plus relax, un peu plus détente qu'on va faire. On va être plus sur des étirements, plus de détente. Salut Cyril, salut Fabienne. J'attends que tout le monde se connecte. Salut Anita. Je suis pas au toc. Salut Anne-Claude, tu viens de finir le cours de Strong. Bon, c'est cool. Donc on va faire un petit peu d'étirement. Alors moi je suis pas très très souple, vous allez voir. On va faire un peu d'assouplissement, un peu d'étirement. Ça va être assez cool, hein, vous allez voir, normalement ça devrait aller pour tout le monde. Salut Aline. Bon, j'attends encore une petite minute que tout le monde se connecte, ça se connecte encore. Tac. Ok, alors. Bien, bon, j'espère que tout le monde va bien. Stretching, ouais, c'est ça. Ok, bien. Donc, on va commencer cette séance. Donc, il n'y aura pas de. Ça va être que des étirements, que du stretching. On va rester au sol. Je vais mettre une petite musique de fond. Voilà. Je vais essayer de caler. Salut Valérie. Bien. Ah, j'espère que tout le monde me voit bien. J'essaie de baisser la lumière au maximum. Salut tout le monde. Salut Séverine. Ok. Alors attends. Et tout le monde que je me connecte. C'est bon. Hop là. Bien, donc le but de la séance, ça va être se détendre au maximum, de s'étirer également. Voilà, pour finir la semaine, on va pas être trop mal, je pense. Je vais juste gérer ça. Yes.
Salut Cécile, bon anniversaire à Noah, coucou à Zoé, je voulais dire bon anniversaire à Noah, parce que c'est anniversaire aujourd'hui. Je viens de faire le tabita, non, officiellement je suis tout en crâne maintenant. Salut Martial, bon super. Tac. Allez, c'est parti. Bien, allez, donc on va commencer tranquillement, vous allez vous placer en position, alors soit jambes tendues. Pour commencer, si vous préférez être en position de tailleur, vous pouvez être en position de tailleur. Moi, je préfère être en position de tailleur. Et on va commencer gentiment. Donc, on va s'échauffer. On va s'échauffer un petit peu. Ici, avant de commencer, on va commencer par enrouler les épaules. Donc, on aura plusieurs positions. On va avoir une position assise pour commencer. On aura une position également sur les genoux. On terminera également sur le dos. Voilà. Et on va étirer un petit peu tous les groupes musculaires. Gentiment. Voilà. Donc essayez de garder le dos le plus droit possible. Si vous n'êtes pas à l'aise en position d'ailleurs, s'il y en a qui préfèrent, vous pouvez également garder les jambes tendues. Voilà, super. Vers l'arrière, pareil, même chose. Donc on roule tout doucement. Donc, je vais faire tout petit peu. Hop, la musique. Clac. Parfait. Salut Charline, je vois vos messages en même temps. Vous pouvez écrire en même temps, je vois vos messages, je suis assez près de l'ordi. Parfait. Bien. Et on va relâcher. Vous allez tirer un petit peu les bras. Pour commencer, on va attraper le coude. Alors, soit le coude, soit l'avant-bras ici. Et on va venir étirer vers soi. Voilà, tranquille. Donc, on va commencer à suivre tranquillement pour l'instant. Très bien. Hop, on passe à la tête, vous allez appuyer, je sais pas si tout le monde voit, je vais un petit peu. Un petit peu la caméra. On va passer la main ici sur le coude. Si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper la main derrière. Sinon vous appuyez sur le coude et on essaie de descendre le plus bas possible. Voilà, donc toujours sur le bras droit ou sur le bras gauche, peu importe, on fera les deux côtés. Bien. Même chose de l'autre côté. Voilà, tu étires. Voilà, on va essayer de garder. Pas l'épaule trop haute, hein. Toujours l'épaule basse, faut lâcher ici. Tu expires, tu ramènes derrière et tu appuies sur le coude. Donc pareil, donc soit tu appuies, si vous êtes assez souple pour attraper la main, vous attrapez la main derrière, tu vois, comme moi, et tu attrapes, tu tires dessus. Donc soit l'un, soit l'autre, hein, peu importe. Et tu relâches. Parfait. On va garder les épaules basses, on va relâcher les épaules. Et on va enrouler tout doucement là. Alors, vous ne pouvez pas aller trop vers l'arrière. Voilà, tout doucement. Vous allez enrouler dans un sens. Hop. Très bien. Tranquille. Hop. Puis dans l'autre sens, tout doucement. Hop. Bien. Puis on va relâcher et on va garder la tête droite. Très bien. Vous allez venir tendre les deux jambes ensuite. Hop. Je vais baisser un tout petit peu la caméra, tout le monde voit bien. On va allonger les deux pieds ici et vous allez venir vous grandir au maximum. Donc vous allez tendre les bras le plus haut possible. Tu étires au maximum, les deux jambes sont tendues devant. Voilà, tu étires donc les bras vers le plafond. Là, vous ne voyez pas tous mes bras, moi j'étire au maximum le plafond. Et j'expire, je vais venir chercher au niveau de mes pieds. Si vous ne pouvez pas du tout attraper vos pieds, vous attrapez. Alors moi je suis en chaussette, vous pouvez attraper vos chaussettes. Si vous êtes en chaussures, vous attrapez vos chaussures. Et pour les plus souples, on va essayer de descendre la tête. Alors moi, vous voyez, je suis pas hyper souple. On va essayer de descendre la tête en direction des genoux. Voilà, le but étant d'étirer derrière les cuisses. Vous devez sentir l'étirement derrière les cuisses. Tu expires au maximum. On essaie de se détendre, hein, toujours. Voilà, tranquille.
Bien, cuiture relâche. Et on va ouvrir les deux jambes. On va essayer d'ouvrir au maximum. Donc, en fonction de la souplesse, vous allez essayer d'ouvrir au maximum les deux jambes. On va venir à nouveau étirer au plus haut. Tu vois, donc tu étires. Alors là, vous ne voyez pas forcément. Moi, j'étire le plus haut possible. Et en expirant, je vais venir chercher sur ma jambe droite ou ma jambe gauche, peu importe. Et on va essayer de descendre la tête le plus bas possible vers le genou. Donc le but étant toujours d'étirer les cuisses, je baisse un tout petit peu, pensez à expirer au maximum, d'accord? Le but c'est vraiment de se détendre, d'expirer. Voilà. Donc soit à droite, soit à gauche, hein, peu importe, on va faire les deux côtés évidemment. Toc. Puis tu reviens au milieu. Tu tends les deux bras à nouveau. Tu te grandis au maximum. Et tu viens chercher sur le côté gauche. Ou le côté droit, si vous voulez. Donc pareil, j'expire. J'essaie de me détendre au maximum. Voilà, plus vous êtes souple, plus vous descendez, tu vois, la tête en direction du genou. Je reviens au milieu. Une dernière fois, je vais venir m'étirer, donc les mains vers le haut. Jusqu'au bout des doigts, j'étire au maximum. Et je vais venir vers l'avant. Donc là, tu vas poser tes mains au sol. Si vous êtes plus souple, moi je suis pas très souple, vous pouvez poser les coudes au sol, d'accord? Et vous venez chercher le plus possible vers l'avant. Alors relâchez bien la nuque. Voilà, le but étant d'étendre le dos, d'étirer l'intérieur des cuisses. Vous devez sentir l'intérieur des cuisses. Si vous ne sentez pas assez, ouvrez davantage les jambes. Ça va pour tout le monde? Voilà, plus vous allez aller, essayez d'aller chercher le plus loin possible devant avec vous. Vous allez relâcher et ramener les mains tout doucement. Super. Vous repliez les jambes. On va changer de position. Vous allez vous placer sur les genoux. Alors, la position suivante, ça va être très très simple. On va se mettre à genoux. Hop. Je change de position. Toc. Voilà. Et on va venir s'asseoir. D'accord? Donc, la prochaine position, on va venir être assis sur les talons. Avec les deux mains, vous allez venir chercher à étirer le dos le plus possible. Vous allez poser le front sur le tapis. Voilà, le but étant d'étirer le dos, donc vous allez chercher le plus loin possible avec les mains. Et vous posez le front au sol, vous pareil, vous expirez profondément. Bien, on va garder la même position. Vous allez passer le bras droit ou le bras gauche, peu importe, on fera les deux, sous l'autre bras. Donc vous allez glisser le bras, alors je vais vous faire le côté, vous allez voir. Vous allez venir glisser sous le bras droit, sur le bras gauche, dessous. Et vous allez poser la tête sur le côté. D'accord? Donc si vous glissez le bras droit par-dessous le bras gauche, vous posez la tête donc en direction de la main. Voilà, donc si vous glissez à droite, vous tournez la tête à droite. Si vous glissez à gauche, vous tournez la tête à gauche. Et vous gardez le bras droit du dos. Je reviens, je tends le bras et j'inverse. Donc pareil, je glisse le bras à gauche, si vous avez fait le bras droit tout à l'heure, ou inversement. Vous tournez la tête en direction de la main que vous avez croisée et vous maintenez la position.
Bien, puis tu reviens gentil. Parfait. Vous allez rester toujours assis sur vos talons. Vous allez juste simplement ouvrir les deux genoux. Alors, je vais vous montrer de face, vous allez me voir. Vous allez ouvrir les deux genoux ici, le plus large possible. Donc le fait d'ouvrir les deux genoux ici, donc vous étiez dans cette position-là, vous allez ouvrir le maximum, ça permet d'étirer les adducteurs. Et vous allez prendre la même position que tout de suite, vous allez venir chercher à étirer le dos. D'accord? Donc, moi je vous montre de face, comme ça vous allez me voir. Bien entendu, vous pouvez rester dans la position où vous étiez tout à l'heure. Et vous allez chercher à étirer le plus possible à l'avant. Voilà. Donc le fait d'avoir ouvert les deux genoux de chaque côté, ça va permettre d'étirer l'intérieur des cuisses. Voilà, donc pareil, vous pensez à expirer profondément. Voilà, ça sert à rien d'aller hop trop loin au début. Toc. Très bien. Ça va pour tout le monde? Donc chacun ouvre en fonction aussi de sa souplesse forcément. Voilà, plus vous êtes souple, là, plus vous pouvez avoir les genoux, bien entendu. Puis on va relâcher, on va se redresser tout doucement. Voilà. Vous allez garder les bras tendus, vous allez resserrer un tout petit peu les genoux, donc les genoux à peu près largeur de bassin. Et moi je vais venir enrouler mon dos. Donc on va faire le chat. Donc vous allez venir enrouler le dos. Bon, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, vous allez enrouler la nuque ici. D'accord? Le dos. Et vous allez revenir le dos plat en expirant. D'accord? Donc le but du jeu c'est d'inspirer, de faire le dos rond, voilà, et de revenir en dos plat en expirant. Donc ça sert à rien de cambrer le dos, j'inspire, je fais le dos rond, ça permet d'étirer au maximum les lombaires, le dos, et je souffle. Ça va pour tout le monde? Encore. J'inspire, tout doucement, et j'expire. Ça va, encore une fois, inspire, tout doucement, tu arrondis ton dos et tu expires et tu reviens le dos plat. Parfait, super. Toujours dans la position à genoux, les deux mains devant, vous allez venir ramener le genou gauche vers l'avant. Vous allez allonger la jambe droite ou inversement, on fera les deux bien entendu. Donc vous avez une jambe de fléchie devant, une jambe de tendue derrière. Et vous allez poser alors soit les coudes, d'accord, soit vous pouvez allonger les bras et vous allez poser la tête. Voilà, le but étant d'étirer la jambe qui est derrière et la jambe qui est pliée également. Voilà. Donc vous allez chercher le plus loin possible avec les mains. C'est bon pour tout le monde, une jambe fléchie, une jambe tendue. Donc pareil, soit vous posez le front, soit vous pouvez garder la tête, revenir si vous préférez ici. On va changer de jambe. Vous ramenez le genou, hop, de la jambe qui était tendue. Vous tendez l'autre jambe derrière. Et vous reposez la tête et les deux bras de. On va revenir tout doucement et on va ramener les deux genoux. On va rester dans cette position à genoux toujours. Je vais redresser un tout petit peu la caméra, tout le monde me voit bien. Hop. Voilà, donc. Bien. Donc on va rester sur cette position-là. Donc vous êtes à genoux ici, vous allez venir tendre alors soit la jambe droite, soit la jambe gauche, peu importe. Cette fois-ci sur le côté. Donc tout à l'heure on avait l'avant en arrière, là cette fois-ci on va avoir sur le côté. Ça va permettre d'étirer l'intérieur de la cuisse. Donc vous allez poser les deux avant-bras au sol. D'accord? Voilà. Alors moi, je ne suis pas hyper souple. Si vous êtes beaucoup plus souple que moi, la jambe qui est tendue donc sur le côté ici, vous voyez, vous pouvez la ramener un petit peu plus haut.
plus vous allez la ramener en hauteur, plus vous allez sentir l'étirement donc à l'intérieur de la cuisse, c'est-à-dire au niveau de l'adducteur. Donc soit vous posez les coudes, soit vous pouvez poser la tête également ici, vers là. Voilà. Donc plus vous êtes souple, comme je vous disais, plus vous pouvez ramener la jambe vers l'avant. Et normalement, plus vous allez sentir l'étirement également se faire. Voilà. Donc expirez profondément, laissez le détendre. Puis on revient. Juste me pivoter de l'autre côté, comme ça vous allez mieux voir. Et vous allez inverser, vous allez tendre la jambe gauche sur le côté. Voilà, tu viens t'asseoir sur le talon et tu viens poser les bras. Alors, pareil, vous pouvez poser la tête sur les mains si vous voulez ou sur le tapis. Voilà, pareil, si vous ne sentez pas assez l'étirement à l'intérieur de la cuisse, vous pouvez ramener la jambe qui est tendue plus vers l'avant. Plus vous allez la ramener, toi tu peux la ramener beaucoup plus haut, forcément, plus vous allez ramener vers l'avant, plus ça va tirer l'adducteur. Les éclairs, ça tombe. Puis on va relâcher et on va ramener la jambe à nouveau vers l'arrière. Bon, j'espère que ça va pour tout le monde. J'espère que ça va pas sauter parce que ça commence à tonner chez nous. Je sais pas comment c'est chez vous. Chez nous, ça tonne un petit peu. Mais bon. Alors, on va rester assis toujours. Vous allez venir poser le front au sol. D'accord? Donc, vous êtes assis sur vos talons. Vous allez poser ici le front au sol. Et vous allez relâcher les bras de chaque côté. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde me voit bien. Donc, t'as vu, mes mains sont détendues. Alors, moi, je mets la tête de côté, c'est pour voir, mais vous pouvez garder le front ici. Les épaules sont relâchées et on se détend. Ouais, le but étant de se détendre le maximum. Ouais, donc toujours dans cette position, restez dans cette position. Orage puis grêle à l'huître. On n'a pas encore de pluie ni de grêle, mais ça commence à tonner ouais, chez nous aussi. Hein. Obligé de se rapatrier l'intérieur. Ouais, j'ai bien fait de me mettre à l'intérieur dès le début, je pense. Ouais, je pense que ça va mouiller, mais pas longtemps. Ça commence à tonner avec la chaîne aussi. C'est bon? On va rester donc toujours dans la position posée, la tête. Vous allez croiser les doigts, les mains ensemble, et on va venir étirer vers nous. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Vous avez les mains croisées, j'essaie de vous montrer au maximum. Et on va venir étirer vers nous les doigts. Voilà. Si vous ne sentez pas du tout l'étirement, essayez de monter plus haut les bras. Tu vas garder la tête posée toujours. On maximum. On expire. On se détend. Bien, puis on va relâcher les mains. Et on va se redresser. Bon, j'espère que ça va toujours pour vous. Obligé de se rapatrier, ouais, ça commence à tonner aussi, ouais, chez nous aussi. On va changer de position, on va s'allonger sur le dos. Vous allez changer de position, vous allez vous placer sur le dos complètement. Et on va étirer toujours donc les cuisses, les bras ici gentiment. Donc là, je vais juste pivoter un tout petit peu la caméra, que tout le monde me voit bien. Donc la tête va rester posée pendant tous les étirements. Hop. Voilà, très bien. Donc la position sera la suivante. Pour commencer, vous allez venir allonger. Je sais plus où me placer. Vous allez poser la tête au sol, vous allez ramener les deux genoux vers vous. Et on va faire des tout petits ronds. Voilà, donc des tout petits cercles, là, histoire de détendre un petit peu le bas du dos. Voilà, donc le but, c'est vraiment de détendre un petit peu, voilà, les lombaires.
le bas du dos. Vous allez faire des tout petits ronds, tout doucement, alors, soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. Peu importe, ça ne va pas changer grand-chose. Tranquillement. Bien. Puis vous allez reposer les deux pieds à plat. Hop. Ensuite, vous allez allonger la jambe droite ou la jambe gauche, je ne sais pas. Vous allez attraper, alors, soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet, tu vois. Et vous allez ramener jambe tendue vers vous, le plus possible. Donc le but étant d'étirer vers la cuisse. Voilà. Toc, toc, toc. Donc soit la jambe droite, hein, comme je disais, soit la jambe gauche. Chaud ici. Bien, toujours dans cette position, vous allez juste inverser le jambe. Donc si vous aviez la jambe droite comme moi, vous allez changer et tendre la jambe gauche et vous attraper derrière la cuisse. N'importe quoi. Étire. Alors, si ça ne tient pas assez, vous attrapez un peu plus haut, soit vous pouvez attraper au niveau du mollet, si vous êtes plus souple, vous attrapez au niveau de la pointe du pied et vous ramenez là. Hop, le pied au sol. Parfait. Ensuite, vous allez venir croiser alors, soit la cheville droite, soit la cheville gauche, sur le genou opposé. Donc, je sais pas si tout va bien sur le côté comme ça. Donc, soit la cheville droite, soit la cheville gauche. Avec les deux mains, vous allez venir attraper la jambe qui reste au sol. Alors, soit la cuisse, soit le tibia. Ça va tirer un petit peu fort si vous attrapez le tibia. Vous laissez la tête posée et vous tirez vers. Donc, là, ça va permettre d'étirer surtout au niveau du fessier. Voilà, donc une main à l'intérieur, une main à l'extérieur, et tu étires. Si ça tire trop fort au niveau du tibia, attrapez derrière la cuisse. Je change, je pose, je décroise, tout doucement. J'inverse, donc pareil, je croise l'autre cheville. Ouvrez bien le genou sur le côté, c'est important. Ensuite, vous attrapez donc pareil, soit la cuisse, soit le tibia. Posez bien la nuque, étirez vers vous. Voilà, donc pareil, vous devez sentir l'étirement surtout du fessier de la jambe qui est croisée. Voilà, surtout là que ça doit tirer. Puis je me... Oh, ça va être un dur. Puis je vais relâcher tranquillement. Parfait. C'est tout des durs. Bon, ça pourra aussi finir le direct. On va ramener les deux genoux vers soi. Et vous allez ouvrir de chaque côté. Alors je vais mettre le deuxième devant. Vous allez venir ouvrir de chaque côté. Donc vous êtes allongé comme ceci. Vous ramenez les deux genoux vers vous et vous allez ouvrir de chaque côté au niveau des adducteurs. Donc le but c'est vraiment d'étirer l'intérieur des cuisses. Donc laissez la tête posée et avec les deux mains vous appuyez sur les cuisses. D'accord? Voilà. Donc soit sur les cuisses, soit à l'intérieur des genoux et vous essayez d'écarter au maximum. D'accord? Voilà. Donc ne cherchez pas à donner. Alors faut pas donner des petits à-coups. D'accord? Faut juste appuyer. Voilà, gentiment. D'accord?
Voilà, ça sert à rien de se faire mal, vaut mieux appuyer tout doucement. D'accord? Bon, j'espère qu'on va réussir à finir le direct sans coupure, parce que ça peut l'air tip top derrière, devant. Ok. Tac. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai coupé la musique. J'ai coupé la musique, j'ai coupé la musique. Bien. C'est bon pour tout le monde? Donc toujours en ouverture ici. Oh. C'est bon? On va rester dans cette position-là. Donc vous avez les deux genoux ouverts. Vous allez allonger une jambe sur le côté. D'accord? Donc vous gardez un genou vers vous avec les. Alors soit avec les deux mains, soit avec une seule main, vous allez attraper. Moi ce que je fais, c'est que j'attrape l'autre cuisse ici derrière et vous ramenez vers vous. D'accord? Laissez la tête poser au sol. Donc vous avez une jambe vers vous, une jambe tendue, et vous maintenez la position. On change de côté, on va replier cette jambe que vous avez tendue. Vous tendez l'autre jambe, vous attrapez. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'attrape derrière la cuisse ou derrière le genou pour tenir la jambe. Voilà, l'autre jambe ici, vous la gardez vers vous. La tête est posée, vous étirez la cuisse. Voilà pour tout le monde. Bon, chez nous, ça commence à pleuvoir un petit peu. Hein. On va garder les deux genoux poitrine. Ouais, ça commence à tomber dur. Wow. Et on va venir se faire des petites bascules d'avant en arrière. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça tonne pas mal chez nous. Je vais allumer la lumière. Donc, petite bascule vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Je vous laisse faire gentiment. Je vais allumer la lumière. Voilà, le but étant de se détendre, hein, toujours au maximum. Donc, tu vois, vers l'avant, vers l'arrière. Laissez la tête posée. Voilà, la tête est relâchée. Tu enroules, tu relâches. Tu enroules, tu relâches, tu expires. Parfait. Bien. Puis maintenant, on va essayer de ramener. Alors, on va essayer. Alors, c'est pas évident, moi, j'arrive pas. Mais vous allez essayer d'enrouler au maximum les jambes vers l'arrière. On va essayer de passer les pieds derrière la tête. D'accord? Si vous pouvez pas enfin, si vous pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave. D'accord? Vous allez venir bloquer avec les mains sous les fesses. Je vous montre. Donc, vous allez prendre un petit peu d'élan. Hop, je m'encule un tout petit peu. Vous allez prendre un petit peu d'élan. Vous allez venir enrouler au maximum. Et on va essayer de passer les pieds derrière la tête. D'accord? Si vous pouvez pas, moi je touche pas le sol, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je mets les mains ici derrière, ici, donc soit dans le bas du dos, soit derrière les fessiers. Voilà, la tête, vous la laissez bien droite et ça va permettre d'étirer au maximum le dos. D'accord? Voilà. Si vous touchez pas le sol, ça c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et vous montez la position. Pour tout le monde. Et puis on va redescendre tout doucement. Essayez de prendre le temps de descendre. Parfait. Vous gardez les genoux ici là-haut, la tête toujours au sol. Et on va se refaire des tout petits ronds. Voilà, le tout petit cercle pour se détendre. Toujours le bas du dos. Voilà, tout doucement dans un sens. Puis dans l'autre sens, tout doucement. Et on va venir relâcher. Parfait. Vous allez venir allonger les deux jambes
ici au sol. D'accord? Donc vous allez venir allonger, je vais vous reprendre tout petit ici. Hop. Voilà, donc les deux jambes sont tendues. La tête est posée, les deux mains sont posées également de chaque côté. D'accord? Prochain exercice, on va essayer de travailler sur la respiration au niveau du ventre. D'accord? Donc je vais inspirer profondément, vous allez essayer de rentrer le ventre au maximum. D'accord? Puis ensuite sur l'expiration, vous allez essayer de faire un ventre rond au maximum. D'accord? Donc j'inspire. J'inspire, je rentre mon nombril. Et j'expire, je fais le ventre rond au maximum. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire, je rentre le nombril. Tout doucement. Et j'expire. Je fais le ventre rond. Ça va? Dernière fois. J'inspire. Parfait. Et j'expire. Je fais le ventre rond. Allez, je relâche. Vous allez allonger les deux mains derrière la tête. Vous allez venir chercher à pousser dans les paumes de main et dans les talons. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que là, la pluie commence à tomber chez moi. Je sais pas comment c'est chez vous. Donc vous allez pousser dans les paumes de main. Vous allez pousser dans les talons. Vous n'allez pas forcément me voir en entier, je pense. Je vais pousser un petit peu l'ordi. Voilà, on va essayer de pousser dans les paumes de main, pousser dans les talons. Et on va essayer de se grandir en action. Voilà, on va essayer de t'étirer le plus possible. Vous avez le droit de bâiller, hein, bien entendu, si vous bâillez. C'est bon signe, c'est que vous détendez ici. Bien. Puis vous allez relâcher et vous allez basculer tout doucement sur le ventre. On va changer une dernière fois de position, on va se mettre sur le ventre. Alors la prochaine position, la dernière position qu'on prendra, on va être sur le ventre ici. Vous allez venir vous allonger. Avec les mains, vous allez venir chercher le plus loin possible devant. Et vous allez poser le front au sol. D'accord? Donc le but du jeu, ça va être d'aller chercher le plus loin possible avec les mains ici. Poser le front et relâcher. Bien, vous allez rester dans cette position. Vous allez plier une des deux jambes. Alors peu importe laquelle, on fera les deux. Vous allez attraper avec la main du même côté le pied ou la cheville. Et vous allez ramener le talon dans le fessier. Alors ce que je fais moi, c'est que je garde le bras plié. Vous allez poser la tête sur le côté comme ça. Et vous allez essayer de ramener le talon le plus possible dans le fessier. D'accord? Voilà. Plus vous allez ramener le talon dans le fessier, plus ça devrait étirer normalement la cuisse. C'est bon? Voilà, donc tu tires vers toi. Alors si vraiment vous n'arrivez pas du tout à attraper le pied, ce qui est possible, hein, bien entendu, vous pouvez également le faire sur le côté. D'accord? Avec garder la tête posée, tu vois, sur le bras. Et le fait de le faire sur le côté, c'est un petit peu plus simple d'attraper son pied ou sa cheville. Voilà, donc soit comme ça, soit comme ceci. Comme vous préférez. Voilà. Et ça devrait tirer normalement donc, le quadriceps juste devant la cuisse. Ça va? On va changer de jambe. Même chose de l'autre côté. Donc pareil, vous ramenez le bras devant. Vous pouvez poser la tête sur le côté. Vous allez plus à l'aise. Et vous allez ramener l'autre pied, hop, l'autre talon derrière. Ici, donc le talon, vous essayez de le rentrer dans le fessier le plus possible. Posez la tête, donc soit à droite, soit à gauche, comme vous le sentez. Comme vous préférez.
Bien, vous allez rester dans cette position pour terminer. On va essayer d'attraper les deux pieds. Donc cette fois-ci, pareil, les deux pieds, les deux chevilles. On va essayer de ramener les deux talons dans les fessiers. Et on va essayer, donc pareil, de poser soit le front, soit le menton au sol. Et essayer de se détendre. Voilà. On vous relâche la tête, donc soit de côté, soit de face. Comme ceci. Et on expire. On se détend. Bien, puis on va relâcher tout doucement les deux jambes. Vous allez redescendre tout doucement les jambes au sol. Ça va? Vous allez laisser les jambes posées au sol, les bras, alors je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai les bras le long du corps. Vous allez poser soit la tête à droite, soit la tête à gauche. Et on va essayer de se détendre. Donc le but, ça va être juste de se détendre, d'expirer profondément. Voilà, de se relaxer. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec la tête sur le côté, vous pouvez également mettre la tête de face comme ceci. Voilà, le but c'est vraiment de se détendre. J'expire. Bien, puis je vais relâcher tout doucement. Hop, vous allez rapprocher les deux mains de chaque côté. Vous allez pousser sur les mains. Remettre la tête droite. Et tout doucement, vous allez venir vous dérouler à nouveau. Voilà, comme on a fait au tout début, vous allez venir vous asseoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était assis tout à l'heure. Et avec les mains, vous allez venir à nouveau chercher le plus loin possible devant. Et poser le front au sol. Voilà, si vous sentez pas assez d'étirement, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir les mains alors, plus large que le tapis, tu vois, et aller essayer d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant, ça permettra d'étirer les bras. Je relâche, je ramène les mains hop, sur mon tapis et on va venir croiser la jambe droite ou la jambe gauche. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, pareil, on est venu allonger la jambe en arrière. Là, je vais venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. D'accord, vous avez vu, j'ai croisé et je vais venir glisser tout doucement la jambe. D'accord. Voilà, ensuite vous allez poser les deux coudes, les deux avant-bras au sol et vous allez poser la tête ici. Donc le but c'est vraiment d'étirer la jambe qui est croisée, la jambe, le fessier, la hanche ici. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, vous pouvez croiser davantage et monter la jambe. Alors vous voyez la jambe qui est croisée, vous pouvez la monter un petit peu plus vers l'avant. D'accord, en fonction de la souplesse de chaque. Voilà, sinon bah, vous reposez les bras, la tête ici. Et on expire. Je vais ramener tout doucement. Hop, évidemment, vous allez inverser, vous allez changer de côté, vous allez venir croiser par-dessus. Alors, je vois que je me décale un tout petit peu. Vous allez venir croiser donc par-dessus, vous allez glisser la jambe. Voilà. Vous posez les coudes au sol, d'accord? Si vous pouvez allonger, posez le front et vous relâchez. Voilà, plus vous allez être descendu, en fait, plus la jambe va être croisée, plus ça va. Vous allez sentir l'étirement au niveau du fessier et de la hanche. Plus ça va tirer.
Je vais relâcher. Hop là. Et je vais ramener la jambe ici tout doucement. Parfait. Bon, j'espère que c'est un pour tout le monde. On va se remettre assis comme au tout début. D'accord? Allez, on va se rechanger de position une dernière fois. On va venir s'asseoir ici. Tac, je vais redresser un tout petit coup la caméra. On va venir détendre la partie haute. Donc la nuque ici, on va venir détendre les épaules au maximum. Hop, je vais baisser un tout petit peu. Bien, donc position, alors soit position de tailleur comme on avait au début. Position jambes tendues si vous n'êtes pas trop à l'aise. Alors, bien entendu, ici vous allez appliquer aucune pression sur la tête. D'accord? Le but, ça va être vraiment de poser juste la main au-dessus de la tête. Donc vous allez poser la main au niveau de l'oreille, comme ceci. L'autre main, je ne sais pas si vous voyez, l'autre main est vers le bas ici. Donc vous allez pousser la paume de main vers le bas. L'autre main est posée sur l'oreille, donc sans aucune pression. Et vous allez juste maintenir la position, donc voilà, sans appuyer, juste en posant la main. Et ça devrait étirer normalement la nuque. Voilà, donc vous poussez vers le bas, tu vois la main qui est ici en bas. L'autre main est juste posée sur l'oreille et on maintient. Bien, je change. Donc pareil, sans aucune pression, vous allez poser la main sur l'oreille. Voilà, l'autre main, on va pousser vers le bas et on maintient la position. Voilà, donc ça permet d'étirer la nuque, ça permet d'étirer les trapèzes. Et vous allez relâcher. Ça va? On va placer les mains ici sur les épaules, tout doucement. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux hein, si vous voulez. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, vous pouvez allonger les jambes comme ceci et m'enrouler tout doucement les épaules. Voilà. Relâcher. Voilà. Fermer les yeux, on se détend. Puis la même chose vers l'arrière, tout doucement. Voilà, détendez-vous. Je relâche. Vous allez poser, alors soit la main droite, soit la main gauche sur le côté. Et on va incliner sur le côté. D'accord? Alors soit vous posez la main. Si vous voulez, vous pouvez également poser l'avant-bras ici. Et on étire, d'accord? Alors le but par contre c'est de garder toujours le dos droit, d'accord? Donc soit l'avant-bras, soit la main comme ceci, et vous inclinez sur le côté, d'accord? Je reviens doucement. Je change de côté, donc pareil, soit la main au sol, soit l'avant-bras si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin. Toujours le dos bien droit et j'étire ici sur le côté. Vous pouvez relâcher, fermer les yeux, détendre. Je reviens au centre. Parfait. Je vais rester ici. Je vais mettre de bon pied comme ça vous allez me voir. Vous allez venir pousser ici, donc vous allez croiser les doigts comme ceci. Vous allez venir pousser vers là, on va venir faire le dos rond. D'accord? Donc j'expire. Ici je pousse, je ronde la tête, vous avez vu, mon dos est rond. D'accord? Et je me redresse. D'accord? J'inspire et je repars. J'expire. Mon dos est rond. Ma nuque est rentrée. Et j'inspire. Ça va pour tout le monde? Encore une fois, j'expire. Mon dos est rond. Et je reviens. Parfait. Ça va pour tout le monde? Hop là. Même chose vers le plafond. Donc là, vous avez fait la même chose, donc vers l'avant, on va venir. Poussez vers le plafond, vous allez venir étirer au plafond le plus haut possible et expirer
Relâchez les bras. Encore une fois, j'inspire. Je pousse vers le haut. Étire vers le plafond. Alors pareil, soit jambes tendues, soit jambes tailleur, comme vous préférez. Et je relâche. Une dernière fois, j'inspire. Je rejoins les deux mains. Je pousse vers le haut. J'étire, 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 j'étire. Et je souffle. Je me détends, je relâche. Parfait. Soit les jambes position tailleur, soit les jambes position tendue, comme vous préférez. Les épaules sont relâchées. Et je roule tout doucement la nuque. Tout doucement. Alors le but, c'est vraiment d'aller tranquillement. Ça sert à rien d'aller trop vers l'arrière, d'accord? Pour pas se faire mal à la nuque. Voilà, tu vois, je vais tout doucement. Allez. Tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Bien, je vais changer de sens. Tout doucement dans l'autre sens. Tranquillement. Tranquillement. Et je vais relâcher. Parfait. Bon. Hop là. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Bon, j'espère que ça a été pour cette séance. Toc, je baisse un peu la musique, que tout le monde m'entende bien. Bon, j'espère que ça a été pour tout le monde, que tout le monde m'a bien entendu. Alors, je sais pas ce que ça donnait en intérieur, parce que là, j'avais pas de micro. Avec l'orage, je sais pas si tout le monde m'a bien entendu. J'espère que ça a été, que c'était assez cool pour tout le monde. Voilà, donc le but de cette séance n'était pas du tout de travailler un renforcement musculaire ni le cardio, vous avez bien compris. C'était vraiment essayer de se détendre, de relâcher les tensions, de vraiment de s'étirer au maximum. Donc voilà, j'espère que ça a été, j'espère que ça vous a plu. Voilà, ça permet de changer un petit peu de varier un petit peu les séances. Voilà donc pour cette séance. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Maintenant, donc si vous avez des envies pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ou noter en commentaire ce qui vous ferait plaisir comme cours. Si le cours là vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer également. Voilà, que ça me donne un petit ordre d'idée. Très relaxant avec l'orage et la pluie en fond. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était un peu spécial ouais, ce soir. Donc la semaine prochaine, ce qu'on fera, donc il y aura toujours un petit défi, on aura toujours nos petits défis lundi. On essaiera de faire un cours de pendre en direct. Voilà. Et puis on essaiera de se faire un ou deux cours en plus, je sais pas trop, je n'ai pas défini encore. En fonction de ce que vous m'avez envoyé, on va essayer de faire un petit planning en fonction de ce que vous avez aimé. Bon, ouais, ça fait du bien, merci, bon week-end, bon c'est quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ça a l'air de. D'être voilà, sur un moment détente, bon, c'est cool. En tout cas, ça fait du bien, je pense, pour un vendredi de une petite séance un petit peu plus relax. Ça permet de se détendre un petit peu, voilà, de se relaxer, d'être un petit peu plus cool. Bien détendu, Nathalie aussi, super, Evelyne, Estelle, pardon, je suis Evelyne, n'importe quoi. Merci pour ce moment de détente. Super, parfait, en mode confinement avec les enfants. Super. Bon, bah super. Bon, en tout cas, ça a l'air d'avoir plu en tout cas de cette séance. Ouais, c'était une première aussi pour le stretching, parce que je sais pas trop un petit peu ce que ça allait donner. Merci pour la séance martiale, Sandrine. Super. Voilà, moi, en tout cas, ça a l'air d'avoir plu. Si ça vous plaît, voilà, comme séance, ça permettra de. Moi, ça me permet de voir un petit peu ce qui peut être fait aussi pour les prochaines semaines, parce que forcément, on va rester encore un petit peu en confinement ensemble. Donc c'est une séance qui pourra bien entendu être renouvelée, peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais peut-être dans 15 jours. Voilà, si vous avez d'autres idées, donc comme je disais, de cours, n'hésitez pas à m'envoyer par message ou sur quand on est en direct. Comme ça, moi, ça me permet de voir un petit peu ce qui vous plaît. Voilà. Ça semble être à deux avec Thierry. Merci. À refaire. Ça fait du bien. Cool. Merci. Bon, c'est cool. Bon, en tout cas, je suis content que ça vous ait plu cette séance.
Je vous souhaite un bon week-end du coup à tous. Et puis donc on se dit donc à lundi. Donc lundi on aura un challenge comme tous les lundis. Nouveau défi lundi. Et puis à partir de mardi, donc mardi on repartira avec un cours en live. Donc ce sera les abdos fessiers. Voilà, c'est nickel à refaire vraiment. Moi c'était cool. Bon, c'est cool. Je suis content que ça vous ait plu en tout cas comme cours. Et puis donc ouais la semaine prochaine donc on fera sûrement un cuisse abdos fessiers donc en début de semaine. On aura également un cours de pente. Et puis après sur les autres cours je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire. Donc voilà ce que je vous disais. Si vous avez des idées n'hésitez pas à me les envoyer. Et ben merci en tout cas. Bon week-end à tous. Profitez bien. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous en tout cas de me suivre en direct. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Merci.